Hey, salut tout le monde, ça c'est les Ponges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Fortnite pour vous montrer comment débloquer, puis non, pas débloquer, plutôt comment acheter les, attendez, on va aller tout de suite, les récompenses de passe de combat. Bon, ça, ça a été dit, hein, et je voulais aller trop vite. Normalement, quand vous cliquez sur aider, normalement, c'était dans ma première vidéo pour l'achat du pass de combat. C'est ce qui était dit dans les paramètres, enfin les paramètres ou les explications. Donc, on peut écrire suivant. Donc, tout ça, voilà, tout a été expliqué. J'ai pas tout lu, je l'avoue, mais maintenant je comprends ce que ça représentait. Donc, vous allez dans pass de combat. Vous avez vu en haut à droite, juste en bas de mes V-Box, il y a étoile 126 et relique. Bah, relique, c'est ce qui ressemble à comment, passe-temps, comme dans Fort Boyard pour ceux qui connaissent. Donc ça, vous trouvez à peu près partout. Il suffit juste de jouer, hein, vous allez certainement croiser par hasard, ou alors il y a aussi certaines manières où vous êtes fait accoster par les aliens ou les extraterrestres, comme vous voulez. Voilà, donc plus vous jouez, plus vous allez débloquer votre niveau. En fait, c'est à peu près comme avant, mais sauf que là, ça pimente un peu plus. C'est-à-dire que au lieu de tout débloquer directement, donc ça nous donne la possibilité et la sensation d'acheter notre propre niveau, si je peux dire ça comme ça. Donc, pour chaque niveau, normalement, vous avez x5 étoiles, voire x10 si vous avez débloqué. Après, ça complète, hein, ça complète avec le temps. Que vous, plus au fur et à mesure que vous jouez, bah, évidemment, vous passez de niveau. Quand vous faites vos défis, bah. Mais par contre, avant, si vous passez pas de niveau, vous pouvez pas avoir les étoiles. Ça complète seulement une fois que vous avez passé votre niveau. Pour chaque niveau, donc ça fait 5 étoiles. Bon, assez blablaté. Donc ça, j'en ai 126 étoiles. Bon, je suis dans le page 1. On a compté l'autre fois. Nous avons 10 pages. 10 pages. Donc 10 pages, c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps. Sur 126, donc vous avez vu, hein, j'ai déjà acheté pas mal dans le page 1. J'en ai déjà acheté pas mal parce que je ne savais pas. Donc le but de cette vidéo, c'est pour montrer au cas où, parce que on voit pas tous de la même manière. C'est vrai que ça paraît bête, hein. Ça paraît bête cette vidéo, mais on voit pas tous de la même manière. Il y en a qui jouent, ah ben non, j'ai pas eu ça, mais au final, ben, c'est devant nos yeux, mais on voit pas forcément. Donc, ne me blâme pas là-dessus, il y en a qui voient tout bien avant. Moi, il m'a fallu 2 jours pour comprendre. Maintenant que j'ai compris, je vous transmets le message. Donc, j'en ai 126, je me répète encore. Voilà, vous avez pour 3 étoiles ou pour 5 étoiles, vous avez un V-Buck que j'ai pas encore acheté. Donc, il suffit d'aller sur l'emplacement où vous voulez et vous restez longtemps appuyé et hop, ça se débloque. Donc voilà, c'est expliqué, mais il faut savoir. Donc maintenant, je le possède. Vous avez vu, j'avais 126, donc du coup, j'ai dépensé 5 étoiles. Il me reste 121 étoiles. Donc voilà, je continue. Voilà, hop. Voilà, j'ai débloqué ce coupe. Et maintenant, pour 3 étoiles, j'achète une bannière. Voilà, enfin, je sais pas si c'est une bannière, c'est plutôt écran de chargement. Voilà, c'est un écran de chargement, un nuée de chimera. Je viens de dépenser 3 étoiles, je crois. Donc là, il me reste 111. Donc je continue à dépenser, hein. Voilà, on va appuyer longtemps. Ah, je l'ai, turbine plasma de chimera. Donc je l'ai, hop, voilà, ainsi de suite. Donc je jouais suffisamment pour avoir assez d'étoiles pour finir la page 1.
Voilà, hop, je continue et peut-être débuter la page 2. Bon, évidemment, hein. Voilà, je continue. Après, j'en avais 126. Ici, si on compte des étoiles, est-ce que je peux en avoir sur pour 98 étoiles? Est-ce que je peux finir page 2? Je vais compter avec vous, mais je pense que je peux pas acheter tout de suite le skin parce que j'ai pas fini le niveau. Et en même temps, oui, précision, il faut finir le niveau de la page 2 pour acheter complètement ce qu'il y a dans le dossier. Donc, je viens de voir qu'il y a encore la clé en rouge en haut à droite du skin. Et même en bas hein, du Sony, vous voyez que c'est encore canassé. Donc, évidemment, je peux pas l'acheter. Encore une fois. Ou alors, je vais acheter les autres pour voir si je peux le débloquer en même temps. Mais on va compter ensemble. Hop, je suis parti trop haut. Donc, il y en a 5, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Donc j'en ai assez forcément pour acheter deuxième page, mais je peux pas. Mais bon, je peux encore acheter le skin, mais malheureusement, je l'ai pas encore débloqué. Allez, on n'attaque pas les V-Bucks. C'est ce qui est plus important pour le prochain pas de combat. Hop, voilà, allez, on me met là-dessus, j'ai un petit bug, voilà, ça va me motiver un petit peu pour continuer à jouer. Voilà, je débloque avec vous. Crate spatiale, ok, bon, c'est une petite guitare, bien sympa. Hop, allez, hop, vas-y, voilà. Bon, mais bah, là, c'est pas la peine que je calcule. Hein. J'ai déjà calculé en avance, donc j'en ai largement assez pour débloquer une partie de cette deuxième page. Allez, petite musique par ici. Voilà, acheter. Hop, voilà, posséder. Et là, hop, je possède aussi, etc., etc. Et enfin, est-ce que j'ai bien calculé? Est-ce que j'ai bien calculé j'ai pas le temps de lire. Hop. Du coup, je pense que en gros, pour obtenir cette récompense, vous devez d'abord obtenir toutes les autres récompenses de cette page. Les récompenses, évidemment, il faut continuer à jouer. Pas de panique, il faut continuer à jouer pour débloquer Sony. Pour moi, c'est un exemple. Sony, évidemment, il y en a d'autres qui sont encore en première page et puis d'autres qui sont déjà partis aux 3, 4, 5 pages. Donc n'oubliez pas, plus vous avez des étoiles, plus vous pouvez débloquer les éléments. Donc moi j'appelle ça les éléments par page. Donc ici, et même quand je vais sur les autres pages, par contre, je peux débloquer tous les éléments sauf le skin. Donc Je vais m'arrêter là pour les achats parce que je trouve pas l'utilité d'acheter les autres tandis que j'ai pas encore débloqué entièrement la page la deuxième page. Donc je préfère débloquer le skin pour acheter et puis c'est le but hein, c'est le but de jouer, c'est pour débloquer aussi les skins parce que le skin vraiment elle est adorable ce skin là. Ah, il y en a un deuxième ici, c'est encore le même. Ah non, oui, c'est le même skin. C'est Sony Voyageuse, par contre, celle-là. Et après, est-ce que je peux acheter la jute? Oui, je peux acheter tous les éléments, sauf le skin. Donc, je préfère attendre. Donc, oui, j'ai mal calculé, peut-être, parce qu'il me reste encore 64 étoiles. Voilà. Donc, à laisser blablater, on va aller voir sur personnaliser Chimera. Et après les autres, bah, il faut voir ah, ici. C'était un travail pour arriver dans 60 jours. Ok, bon, on verra ça plus tard. Donc voilà, pour les personnalisations, donc je disais, il faut des reliques. Est-ce que ça se débloque automatiquement? J'en ai aucune idée. On va voir ensemble. Hop, et je clique dessus. Ouais, c'est pareil.
Donc les reliques étaient en haut à droite, pareil pour les étoiles. Hein. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Par contre, ouais, c'est plus vous montez vers la droite, plus vous avez besoin de reliques. C'est par contre c'est cher hein, les reliques là. Hein. C'est très très cher. Donc moi je peux faire détail par détail, voilà, par aligné, pour voir à la fin est-ce que je peux obtenir le reste. Parce que je peux tous les avoir à la fin de la saison. Mais bon, normalement, ça se peut, hein, parce qu'on a quand même 2 mois et demi pour le finir. Voilà, j'ai ce qu'il faut pour ce... Ah, il reste plus que 8. Déjà dans le deuxième rangée, ouais, c'est sûr que j'ai fini, je termine. Ça, c'est sûr. Hop. Après, il reste plus que de trouver les autres reliques pour pouvoir acheter d'autres éléments personnalisables. Hop, voilà. Bon. J'en ai assez pour finir le rangée, deuxième rangée de comment dire, des pour personnaliser le skin. Il me reste 2. Donc évidemment, je n'ai pas assez pour aller suivant. Ben, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le pouce bleu. Et puis toi qui n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner. Et puis il ne suffit pas de s'abonner, mes amis. Il faut aussi de cliquer sur la cloche. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur tout. Surtout si vous voulez revoir mes prochaines vidéos, évidemment. Et pour me retrouver tous les mardis et le vendredi, même heure, c'est-à-dire à 11h, pour les 2 vidéos, sauf le jour qui est différent, c'est-à-dire qu'il y a le mardi et le vendredi. Donc, on se retrouve le mardi et le vendredi à 11h, mes amis. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!